gloire à Dieu, gloire à Dieu, la mer écoute sa voix. Gloire à Dieu, le monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Toute la terre, à Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire par son amour. La bonne âme noire s'est levée le jour. Jésus, oh, Jésus, à ma place mourut la croix. Il faut que sa grâce. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Chante, gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. On veut, mes opères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus, la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voie tout notre bonheur selon. Promesse, Jésus changera de en allégresse quand il chantons gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix, gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez, les opères, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Le nom de Jésus est si lourd de des hommes en le courroux. Il nous appelle. Il nous appelle au rendez-vous précis. Le nom de Jésus. Oh Jésus. Béni soit ton nom. Jésus. Oh merveille d'or. Jésus. Jésus, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveille ton, oh Jésus, suprême, rançon, sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, j'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin, sa musique est. Aïe, Jésus, béni soit ton nom, Jésus, oh merveille ton, oh Jésus, suprême, rançon, sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon sauveur, j'aime le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur, lui seul. Me rend plus que vainqueur précis, le nom de Jésus. Oh Jésus, béni soit ton nom, oh merveille d'or. Jésus, suprême, rançon, sois adoré pour toujours. Messie. Je suis tombé. Son nom puissant m'a relevé précis. Le nom de Jésus. Appelons le roi des rois. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Et lorsque avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai précis le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom, oh merveille ton. Nous sommes dans un programme sur les vallées spirituelles. We are talking about the spiritual valleys.
Et ce soir, nous parlerons de la vallée du Chavet. And tonight you are going to talk about the valley of Chavet. Et ce soir, nous allons prier longuement dessus par la grâce de Dieu. Tonight you are going to pray by the grace of God. La Bible dit que lorsque Abraham était dans la vallée du Chavet, the Bible said when Abraham was in the valley of Chavet, le roi de Sodome, the king of Sodom, est venu à sa rencontre. Met him. Il lui a dit, and he told him, vends-moi tes gens. Sell me your people. Vends-moi tes gens. Sell me your people. Et je te donne les richesses. And I give you wealth. Ce soir, nous parlerons des ventes spirituelles. Now you are going to talk about the spiritual sales qui s'effectuent dans la vallée de Chavet. That are done in the valley of Chavet. La Bible dit que dans le livre d'Ésaïe, the book of Isaiah, c'est gratuitement que vous avez été vendus. For free you were sold. C'est gratuitement que vous avez été vendu. You were sold freely. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. It is not with money you'll be redeemed. Ésaïe chapitre 52, Isaiah chapter 52, verset 3. Verse 3. Il y a plusieurs personnes qui vivent. Many people live. Ils travaillent. They work. Ils s'investissent. They invest. Ils se battent. They struggle pour réussir. To succeed. Mais d'autres personnes, but other people, les vendent. Sell them. À leur insu, sans leur consentement. With their consentment. Est-ce que tu sais? Do you know que dans les familles, in some families, il y a des gens pour prospérer, there are people to prosper, il y a des gens pour réussir, some people to succeed, ils hypothèquent la vie des gens, they mortgage the lives of people, ils hypothèquent la santé des gens, they mortgage the health of people, ils hypothèquent les affaires des gens, they mortgage the businesses of people, parce que le seul but, because the only goal de ces personnes, of them, c'est qu'eux ils réussissent, is to succeed, et les autres doivent souffrir, and others must suffer, les autres doivent misérer, others must be miserable. La Bible dit à partir du verset 1, Ésaïe chapitre 52, il est écrit, lorsque Dieu parle de la restauration de Jérusalem, when God talks about restoration of Jerusalem, il dit à Jérusalem quelque chose de capital et d'important. He said something important to Jerusalem. Réveille-toi. Awake. Lorsque une personne est vendue dans la vallée de Chavet, when a person is sold in the valley of Chavet, cette personne est endormie. That person is asleep. Des choses basiques se passent devant la personne. Basic things happen before the person. Des choses sataniques se passent contre la personne. Evil things happen against the person. Et cette personne est endormie. And the person is asleep. Tu vois comment tes enfants sont en train d'être détruits à petit. You see how your children have been destroyed. Tu vois comment ta famille est en train d'être détruite à petit feu. You see how your family has been destroyed. Tu vois comment tout ce que tu fais, rien ne marche réellement. You see how nothing works really. Tu vois comment tes investissements sont saccagés par le diable. You see how your investments are destroyed by the devil. Mais le fait que tu sois déjà vendu t'endort. But the fact you're already sold makes you fall asleep. Je prie pour toi ce soir. Que l'onction en ce lieu te réveille. Ton amen ne me dérange. Que l'onction te réveille. Que l'onction réveille tes affaires. Que l'onction réveille tes projets. Que l'onction réveille ton ministère. Quand tu es déjà vendu, même ton ministère, tu ne l'utilises plus. Il y a des gens qui vont réussir dans leur vie à cause du talent que Dieu leur a donné. Some people will succeed in your life because of the talent God has given. Il y a d'autres qui vont réussir dans leur vie à cause du don que Dieu va leur donner. Others will succeed in your life because of the gift God will give. Il y a des gens qui sont nés avec des talents naturels. Some people were born with natural talents. Tu sais coiffer. You know how to make hair. Tu sais tresser. You know how to make hair. Tu sais dessiner. You know how to draw. Tu sais parler. You know how to speak. Tu sais écrire. You know how to write. Tu sais jouer au foot. You know how to play football. Tu sais jouer au rugby. You know how to play rugby. Tu sais jouer au basket. You know how to play basketball. C'est le talent que Dieu t'a donné. The talent God has given. Mais quand t'as vendu, when you are sold, ce talent est en train de mourir. The talent is dying. Toi tu ris. And you laugh. Toi tu te réjouis. You rejoice. Alors qu'il y a un talent, meanwhile, there is a talent que Dieu t'a donné. God has given. Une personne vendue, a person who is sold, enterre elle-même son talent. Buries her talent herself. Une personne vendue, a person who is sold, banalise son talent. Underestimates her talent. Une personne vendue, a person who is sold, dans la vallée de Chavet, in the valley of Chavet, néglige son talent. Neglects her talent. Et quand tu enterres ton talent, when you bury your talent, tu vas te commander you beg les petits bénéfices du talent de l'autre. The little benefits of the talent of someone else. Il y a des gens, there are people qui s'occupent de vous who take care of alors you, que c'est vous meanwhile, you are the par one, votre talent, through your talent qui devait leur faire du bien. Who must take care of them? Écoute-moi, listen to si me, tu sais chanter, if you know how to sing, tu sais jouer un instrument, you know how to play an instrument, tu sais parler, you know how to speak, tu es belle de figure, you have a beautiful face, tu es élégant, you are elegant, tu as la connaissance, you have the knowledge, tu as fréquenté. If you study, ce sont des talents que Dieu vous donne, there are talents God gives to you, que vous devez exploiter. That you must exploit. Mais quand vous vendez dans la vallée de Chavet, when you are sold in the valley of Chavet, vous-même en personne, yourself, vous négligez vos talents. Neglect your talent. Après, vous allez accuser les gens. After you accuse people, c'est mon père qui ne m'a pas payé l'école. My father didn't pay my school. C'est mon frère qui ne m'a pas aidé. My brother didn't help me. Car tu fais toi-même.
qu'as-tu fait toi-même de ton talent? How have you used your talent? Est-ce que tu sais même que tu as un talent? Do you even know that you have a talent? Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans la convoitise. The many people covet. Ils s'amusent. They play. Ils sont en train de détruire eux-mêmes leur talent. And they are destroying their talent. Quand tu es vendu dans la vallée de Chavé, when you are sold in the valley of Chavé, tu es endormi. You are asleep. Les gens gagnent les marchés devant toi. People get contract before les gens voyagent devant toi. People travel before les you. Gens réussissent devant toi. People succeed before les you. Gens sont nommés devant toi. People are appointed before les gens you. Prospèrent devant toi. Le temps ne fait que passer. Time is just going on. Tu es endormi. And you are falling asleep. Et il dit, he say, réveille-toi. Awake. Jérusalem, Jerusalem. Réveille-toi. Awake. Il y a des choses qui arriveront dans ta vie. There are things that will happen in your seulement life. Quand tu vas te réveiller. Only when you will awake. Et quand tu te réveilles, and when you wake up, tu te lèves. You stand. Toute personne qui se réveille, qui reste au coucher, ne va rien faire. Every person who wakes up and remains sleeping, we do not. Beaucoup de personnes se sont réveillées. Many people awake. Mais ils ne sont pas éveillés. But they are not awakened. Parce que quand tu es éveillé, because when you awaken, tu es prudent. You are careful. Quand tu es éveillé, when you awaken, tu es aux aguets. You are watching. Dès qu'une opportunité vient, tu saisis l'opportunité. When an opportunity comes, you seize it. On a l'habitude de dire ici, we used to say il y a here, trois choses dans la vie qui viennent et qui ne reviennent plus. There are three things in your life that come and never quand come ça again. Vient, ça passe, ça ne revient plus. When it comes, it never come again. Le temps qui est passé, the time that is la past, parole qui est sortie, the word that is released, les opportunités que Dieu nous donne. An opportunity God une gives personne us. Qui est réveillée a person who is awakened, parce qu'elle a été libérée de la vallée de Chavé doit apprendre must learn à saisir how to see les opportunités opportunities que Dieu lui donne. That God gives her. Quand prie, Dieu te bénira. When you pray, God will bless you. Dieu t'élève. God lifts you up. Dieu te restaure. God restores c'est une you. Parole it's word qui ouvre une porte. That opens a qui door. Ferait un chemin. That makes a way. Et te donne l'opportunité. And gives you the opportunity. Si tu échoues, if you fail, passe à l'opportunité. To that opportunity, cherche l'autre parole. Seek other words. Il y a des paroles sur vos vies. There are words upon your life. Il y a des prophéties sur vos vies. There are prophecies on your il y a life. Des grâces sur vos vies. There are grace on your qui ont life. Créé des opportunités pour vous. That have created opportunity mais parce for qu'on you. Vous a déjà vendu sold, quelqu'un d'autre a saisi l'opportunité opportunity, et cette personne s'est mariée à ta place and quelqu'un d'autre a saisi l'opportunité cette personne a voyagé à ta place quelqu'un d'autre a saisi l'opportunité on a nommé la personne à ta place ce qui place. Était ta place, was your place a été arraché parce qu'on t'a vendu. Il dit réveille-toi. Numéro 1, réveille-toi, awake, veut dire ouvre les yeux. It means open your eyes. Arrête de rêver. Stop dreaming. Ouvre les yeux. Open your eyes. Réveille-toi. Awake. Numéro 2, veut dire lève-toi. Means stand on your feet. Commence à chercher. And start seeking. Commence à te battre. Start struggling. Dans ta Bible, c'est réveille-toi combien de fois? Deux fois. Il y a plusieurs personnes qui se sont réveillées une seule fois. Many people just awake one time. Quand tu es réveillé une seule fois, when you awake once, tu te lèves le matin, you wake up the morning, tu es sur WhatsApp pour faire le Congo ça. And you manipulate your phone on tu WhatsApp, te lèves le matin, gossip, wake up tu es sur morning, Facebook pour aller insulter un sur leur page. You're on Facebook to insult people on your tu page. T'es réveillé une fois, you wake up once, mais tu es toujours vendu. But you are still sold. Si tu te réveilles deux fois, if you awake twice, c'est que tu ouvres les yeux it means you open your eyes, et tu te lèves pour aller. And you stand to go. Une semaine commence, elle finit. A week starts and ends. Tu n'as pas de travail. You have no job. Mais tu n'es pas allé toquer dans les bureaux cette semaine. But you didn't go to offices this week. Tu n'as pas de marché. You have no contract. Mais tu n'es pas allé dans les bureaux demander les marchés cette semaine. You didn't go to ask for contract this week. Le financement promis n'est pas encore tombé. The promised finance is not yet. Tu n'as pas importuné celui qui t'a dit celui qui t'a fait la promesse. You didn't bother he who made the promise. Et tu crois and you think que tes choses vont marcher simplement. That things will go well simply. Tu viens de perdre une semaine. You have just lost 1 week. Il y a des gens ici qui ont perdu une semaine. Ils n'ont rien fait de leur semaine. Some people lost 1 week. They did nothing about tu vas te repentir avant que je ne continue à prêcher. Burn yourself before I continue preaching. Tu viens de perdre 5 jours. You have just lost 5 days. Tu viens de perdre 5 jours. You have just lost 5 days. De ta semaine. Of your week. Lundi, Monday, tu étais sur Facebook. You on Facebook. Alors, il y a des gens ici qui sont aux aguets des buzz d'internet. Some people are watching on buzzes of internet. J'ai même vu les enfants de l'église ici qui n'ont rien à manger. I saw children of this church that have nothing to eat. Aller conseiller Ténor. Advising Ténor. Alors, tu n'as rien à manger. You have nothing to eat. Tu conseilles Ténor. You advise Ténor. Mais
je vais pas arrêter de vous parler parce que votre échec. I won't stop talking to you because your failure. Dans votre famille, c'est moi qu'on va accuser. I will be accusing your family. Alors que le temps que vous devez utiliser pour chercher la vie. Meanwhile, the time you were supposed to use to struggle. Vous consacrez ça à Ténor. You consecrate it to Ténor. Mais c'est mon nom qui est dans ta famille. They talk about me in your family. Ton faux pasteur là. The fake pastor. Ton faux pasteur là. Fake pastor. Ton faux pasteur là. Fake pastor. Mais est-ce que ta famille sait? Does your family know? Que c'est même Ténor ton pasteur. That Ténor is your real pastor. Le gars a réussi sa vie. He succeeded. Il exploite bien son talent. He exploited his talent. Et pendant ses temps morts, il se distrait. And sometimes he distracts himself. Il fait ses folies. Quand il arrête de faire ses folies, when he finishes, il va travailler son argent. He gains his money. Ça entre dans son compte. Toi, tu parles de conseiller. You advise. Ta vie à quel niveau pour conseiller tes noms? At which level is your life to advise tes noms? Ta vie a un sens. Does your life make a sense? Ta vie a un sens. Does your life make a sense? Même quand tu dis que tu pars à Douala, tu prends finesse 3000. Even when you say you go to Douala, you go to Phoenix. Lui voyage en première classe. He travels in first tu class. Tu parles au conseiller. And you go and advise him. Une semaine est passée. One week passed. Tu l'as perdu comme ça. You lost it. Et tu es dans les prières. And you are in prayer. Tu es dans les prières. You are in prayer. Tu es dans les prières. You just pray. Les prières de quoi? Prayer of what? Dans le même bureau où tu es là. In the same office where you are. Un collègue fait un commerce qui lui rapporte 10 fois le salaire que vous avez. Your colleague has a business, she gains 10 times the wage you have. Donc pendant que tu joues au Zuma sur l'ordinateur. So while you are playing Zuma on your computer. Pendant que tu joues au solitaire sur l'ordinateur. While you are playing a game on your computer. Pendant que tu joues au Candy Crush sur ton téléphone. While you play Candy Crush on your phone. Elle est en train de faire les ventes. She's selling. Et quand elle finit de vendre, elle vient t'appeler et va avec toi. When she finishes selling, she comes to discuss with et you. Et un jour, tu apprends seulement qu'elle a construit sa troisième maison. One day, just learn that she built her third house. Toi, tu es là. You are there. Tu vas au travail. You go to the pour jouer au Zuma. To play Zuma. Pour jouer au solitaire. To play games. Pour jouer au Candy Crush. To play Candy Crush. Tu viens te distraire à l'église. I come to distract yourself in the church. On tue un peu les sorciers. To kill wizards. Tu rentres chez toi. You go back home. Et la vie continue and demain. Life continues tomorrow. Vous n'allez accuser personne. You will accuse no one. Avec tout ce que j'enseigne là. With all what I'm teaching. Un jour vous serez assis par terre. One day you'll be seated on the ground. Vous allez vouloir accuser votre oncle. You will like to accuse your uncle. Votre tante. Your aunt. Votre grand-père. Your grandfather. La main de Dieu va sortir du mur. The hand of God will come from the wall. Elle va vous gifler. To slap you. Avec la parole. With the word. L'onction qui est ici. The anointing here. Aucun sorcier ne peut vous bloquer. No wizard can block you. Si vous êtes bloqué. If you are blocked. C'est vous vos propres sorciers. You are your own wizard. C'est vous vos propres sorciers. You are your own wizard. Vous avez ce qu'il faut. You have what is necessary. La parole qu'il faut. The word that is l'onction necessary. Qu'il faut. The necessary anointing pour réussir. To succeed. Mais but, comme vous acceptez. As you accept, vous vendre vous-même au diable. Sell yourself to the devil. Vous ne vous battez pas. You don't struggle. 5 jours sont passés. 5 days passed. Tu as gagné combien d'argent? How much money did you gain? Combien d'argent ton compte? On a dit crédit. Ton compte a été crédité. Tu as reçu le SMS. You received the message. 5 jours. 5 days. Dans l'argent qu'on t'a faroté cette semaine. The money you were given this week. Tu as épargné combien? How much did you save? Est-ce que cette semaine est une semaine réussie pour toi? Was this week a good week for you? Ou c'est encore une autre semaine d'échec? Oh, it is another week of failure. Pour savoir si tu as réussi ta semaine. To know if you have succeeded your numéro week. Un. Number one. Qu'est-ce que tu as gagné? What have you gained? Numéro 2. Number 2. Qu'est-ce que tu as appris? What have you learned? Numéro 3. Number 3. Qu'est-ce que tu as apporté aux autres? What have you brought to others? Numéro 4. Number 4. Qu'est-ce que Dieu what a fait pour toi? Has God numéro 5. Number 5. Qu'est-ce que tu as what fait pour Dieu? Have you done for God? Si tu peux répondre aux 5 questions. If you can reply to these 5 questions. Et que les 5 questions sont positives. And the 5 questions are positive. Tu as réussi ta semaine. You succeeded your week. Numéro 1. Number 1. Qu'est-ce que tu as gagné? What have you gained? Tu as gagné quoi cette semaine? What have you gained this week? Qu'est-ce qui est entré dans ton compte cette semaine? What has entered your bank account this week? Qu'est-ce que tu as appris cette semaine? What have you learned this week? Tu as appris quoi de plus cette semaine? What have you learned this week? Tu n'es pas différent de celui qui va passer toute sa nuit dans une boîte de nuit. You're not different from he that will spend his whole life in a nightclub. Celui qui va passer tout son week-end
dans les alcools. He will spend all his weekend drinking alcohol. Celui qui a passé tout son weekend chez un marabout. He will spend all his weekend to the witch doctor. En espérant que les pratiques du marabout vont faire réussir ses affaires. While hoping the practice of the witch doctor will make it tu n'es pas différent. You are not different. Parce que tu as passé toute ta semaine à l'église. Because you spend all the week in the church. Mais ça ne t'a pas aidé. But it didn't help you. À chercher à avoir plus. To seek to have more. Ceux qui n'ont pas le travail croient que c'est à eux que je m'adresse. Those who don't want think I'm talking to them. Je m'adresse aussi à ceux qui ont le travail qui croient que leur salaire est suffisant. I'm also talking to those who work who think their wage is enough. Ceux qui sont célibataires croient que c'est à eux que je m'adresse. Those who are single think I'm talking to them. Je m'adresse aussi à ceux qui sont mariés. I'm also talking to those who are qui married. Croient que être marié veut dire que tu peux aller te coucher tranquille et la vie va continuer seule. Who think being married means love will continue alone. Certains croient que je m'adresse juste à ceux qui n'ont pas d'enfants. Something I'm talking to those who have no children. Même toi qui as l'enfant, tu dois continuer à te battre. Even you have a children, you must continue. Je m'adresse pas qu'à ceux qui sont au Cameroun. I don't only talk to those in Cameroon. Même toi qui as déjà voyagé, tu dois continuer à chercher. Even you travel, you must keep on parce working. Que l'homme est de nature. Because the nature of man conquérant. Is a conqueror. Le Dieu qu'on sait est un Dieu de conquête. The God we are serving is a God of conquest. Sa parole déclare qu'il va avec nous de progrès en progrès. He goes with us more and more. Et chaque jour, il fait toutes choses nouvelles. And every day he does everything new. L'homme qui est dans ta vie là. The man in your life. L'oncle qui est dans ta vie là. That uncle in your la tante qui est dans ta vie là. That aunt in your life. Ton grand frère là. Your big brother. Ton papa là. Your father. Ta maman là. Your mother. Qui te donne tout. Who gives you everything. Alors que tu as plus de 21 ans. Meanwhile, you have more than 21 ne t'aime years. Pas. They don't love you. Si tu n'es pas malade, if you are not sick, tu n'es pas vieux, you are not old, tu n'es pas vieille, you are not old, et qu'on te donne tout, and you are given on everything, ne t'aime pas. You are not loved. Je vous ai posé la question ici il y a quelques jours. Ask the question a few days même ago. Dieu qui dit qu'il est notre papa, even God who says our father, pourquoi il ne nous partage pas l'or et l'argent qu'il a? Why does he not share the gold and the silver? Jésus était sur la terre. Jesus was on earth. Son père his father ne lui versait pas l'argent en route. Was not giving him money on the way. Quand il avait besoin d'argent when he needed money, et que c'était fini dans sa caisse, and it ended in his box, dans ses économies, in his il faisait qu'on aille pêcher le poisson pour prendre l'argent. Non, il fallait encore travailler. He made people to work to get money. On l'appelait fils de charpentier parce qu'on le voyait souvent dans sa jeunesse travailler avec son père charpentier. He worked with his father who was alors que son papa, le vrai, le légitime, le légal, the lawful father était au ciel. Was in heaven. Et lui, à lui appartient l'or et l'argent. So he belongs God and mais silver. Jésus but Jesus n'a pas eu les facilités didn't have facilities comme ce à quoi tu aspires maintenant. What you aspire now. Jésus Jesus a appris l'obéissance par la souffrance. Je ne te parle pas de la souffrance des démons. I'm not talking about suffering. Je te parle de la souffrance de ton travail, but suffering of your work, de tes recherches, of your research, de tes efforts, of your efforts, de tes business, of your business, de ton apprentissage, of your learning. Mais les chrétiens veulent utiliser la prière comme un moyen de facilité. Want to use prayer as a means of facility. Comme un moyen de raccourci. As a shortcut. Non, la prière n'est pas pour que tu prennes les raccourcis. Prayer is not for you to take shortcuts. La prière est là pour détruire le plan du diable. But to destroy the plan of the devil. Écarter les projets sataniques. To destroy evil projects. Pour te donner l'opportunité maintenant de te battre. To give you opportunity to struggle. Pour te donner l'opportunité maintenant de chercher. To give you opportunity to seek. Pour te donner l'opportunité maintenant d'aller vendre ton poisson. To give you opportunity to sell your fish. L'opportunité d'aller vendre ta viande. Your opportunity to sell your d'aller meat, commencer à vendre ta tomate. To start selling your tomato. Mais quand tu en pries pour certains ici, here, ils ont l'impression que la prière they feel like prayer leur donne l'ouverture gives them the opening vers le sommeil, towards the top, la distraction. Distraction. Vous êtes censé être la tête to be the head dans les affaires, in business, la tête the head dans le commerce, in trade, la tête the head dans l'agriculture, in la tête the head dans les études. In school. Mais s'il faut évaluer ici, if you have to evaluate here, il y a qui est tête dans son affaire. Who is the head in his business? On va se retrouver avec un pourcentage de 0,2%. We have less than 2%. Parce qu'on n'aspire pas à ça. Because you don't aspire to that. Il dit réveille-toi. He says awake. Réveille-toi. Awake. Est-ce que l'église peut se réveiller ce soir? Can the church awake tonight? Il y a des grandes choses que le Seigneur a prévues pour nous. There are great things the Lord has planned for us. Il y a des meilleures choses que le Seigneur a préparées pour nous. There are best things he has prepared for mais us. On ne pourrait jamais entrer en compte de ces choses. We'll never possess those things. Si nous ne nous réveillons pas. If you are not awakened. Mais le problème que tu as. But your problem. N'est pas seulement de te réveiller. It's not only to awake. Mais d'entreprendre, that you undertake, mais de chercher, that you seek, mais de te battre, that you struggle. C'est possible, it's possible que tu réussisses. You to succeed. Et tu vas réussir. And you shall succeed. Oh, tu vas réussir. You shall succeed. Et tu vas réussir. You shall succeed. Ma version dit, my version says, réveille-toi. Awake. Réveille-toi. Awake. Montre ta puissance. Show your power. Il y a plusieurs personnes qu'on vend. Many people are sold. Parce qu'ils ont la puissance de Dieu en eux qui dorment.
Because they have the power of God in them that is sleeping. Avec toute l'onction que tu as là, with all the anointing you have, n'importe qui te maudit, any type of man, n'importe qui you, gâte ta vie, any type of man, n'importe qui veut te bloquer, any type of man can block il dit, réveille-toi, he says, awake, montre au monde, show the world, que tu es puissant. That you are powerful. En d'autres termes, in other words, montre à ta famille show your que ton family, Dieu est puissant, that your God is que partout mighty, tu mets les mains, ton Dieu fait hands, marcher tes affaires, partout work, tu mets les pieds, les portes s'ouvrent, partout tu arrives, c'est la paix, partout tu arrives, c'est l'harmonie. Montre aux gens que ton Dieu est puissant. Nous sommes dans une saison. Ce n'est plus la récitation de Jésus sauve et guérit. C'est la récitation de Jésus fait par ma vie. Jésus agit au travers de moi. Au travers de moi, Jésus bénit. Au travers de moi, Jésus ouvre les portes. Ta famille a besoin de voir au travers de toi ce que Jésus est capable de faire. Au travers de moi, Jésus préserve. Au travers de moi, Jésus élève. Au travers de moi, Jésus bénit. Qu'est-ce que tu peux dire au monde concernant ton Jésus? Quand on te regarde, on peut dire Jésus est bon à quel niveau? On peut dire Jésus est grand à quel niveau? On peut dire Jésus est puissant à quel niveau? Est-ce que toi, ta vie pousse les gens à blasphémer? Est-ce que toi, ta vie pousse les gens à se moquer de Jésus? Ou bien ta vie pousse les gens à célébrer Jésus? Quand on regarde ta vie actuelle, qu'est-ce qu'on peut penser de ton Jésus? Montre ta puissance. Show your power. Montre la puissance de ton Dieu. Show the power of your God. Et fais éclater la gloire de ton Dieu. Make the glory of your God burst. Est-ce que tu te lèves souvent le matin? Do you usually wake up et tu penses à ton entreprise qui arrivera un jour? And think about your company that will be created one day. À avoir les bureaux. That will have offices one day. En plein Wall Street Center. Wall Street Center. Tu penses souvent à ça? Do you think about that? Ou bien tu penses seulement qu'un show va t'amener à Dubaï? Do you think about the fact that boyfriend will bring you to Dubai? Est-ce que tu penses souvent à posséder une entreprise? You think about possessing an enterprise? Et que ton nom sorte dans le livre de records? And your name be written in the book of records? Que un reportage soit fait sur toi dans le New York Times? A reportage be done on you on the tu New penses York souvent Times? À ça? Do you often think ou bien about tu te bats that? Pour être la plus belle de ta famille? Or you think you are the most beautiful of your family? Tu penses souvent à quoi? What do you often think about? Parce que c'est ce à quoi tu penses. Because what you think about qui détermine determines là où tu vas. Where you go. C'est ce à quoi tu penses what you think about qui détermine determines ce que tu peux avoir. What you can have. Dieu m'a mis à cœur que je vais ouvrir un grand restaurant. God's really me have opened a great est-ce restaurant. Que tu vas chaque jour sur internet pour voir les designs des restaurants? Do you go on internet to see design of restaurants? C'est là que ça commence. That's where it starts. Tu auras quel type de chaises dans ton restaurant? What kind of chair we have in your restaurant? Tu auras quel type de plat dans ton restaurant? Or dishes in your restaurant? Tu auras quel type de service dans ton restaurant? What kind of service in your restaurant? Tu penses à ça? Do you think about ou tu that? Parles de ténor? Or you talk about ténor? C'est amusant. Mais vous êtes en train de mourir you are dying avec le Dieu de la puissance. With the God of power. Ça, ce n'est pas ténor. When it's not ténor. Vous apprenez à Samuel Eto'o comment on doit parler du football. You learn Samuel Eto'o how to talk vous êtes les coachs football. De Samuel. You are coaches of Samuel. Et lui, il est footballeur professionnel expérimenté qui a prouvé tout dans le foot. He showed everything in football. Mais toi, tu lui dis ce qu'il doit faire. But you tell him what he must alors do. Que ta vie meanwhile, your n'a life pas de sens. Makes no sense. Ta vie n'a pas de sens. Your life makes no sense. Si ce n'est pas Eto'o, if it's not Eto'o, c'est Francis Ngannou. Francis Ngannou. Tu, chaque jour qui arrive, every day that le diable comes, te propose un sujet the devil proposes you a topic pour te perdre. To make you lost. Chaque jour qui arrive, every day that si comes, vous remarquez bien, chaque semaine, if you notice every week, il y a un nouveau buzz. There is a new buzz. Et les organes que tu mets dedans, and the way you talk about, t'empêches même de lire la Bible. Hinder you to hear the Bible. Enfant de lumière, children of light. Qui t'a gâté? Who has spoiled you? Qui t'a gâté? Who has spoiled you? C'est quand on a réussi. When we've succeeded. Qu'on choisit. That we choose. Comment on se distrait. How we distract ourselves. Tu éprouves quel plaisir actuellement? What pleasure do you find actually? À passer plus de temps dans la distraction. To spend more time in distraction. Que dans la réflexion. Rather than in reflection. Réfléchis. Think.
Réfléchis. Au lieu de te distraire. Instead of distracting yourself. La distraction est normale. It is normal. Mais ce n'est pas prioritaire. But it's not the priority. Il y a des gens de ta génération. There are people of your generation. Qui sont loin aujourd'hui. Who are already far today. Parce qu'ils ont choisi le chemin. Because they chose the way. De la détermination. Of determination. Ce n'est plus une affaire d'âge, monsieur. It's not a matter of age, sir. C'est plus une affaire d'âge, madame. It's not a matter of age, madam. C'est une affaire de choix. It's all about choice. Démontre ta puissance. Show your power. Montre ta puissance. Show your power. Mets tes vêtements magnifiques. Put on your garment of splendor. Le vêtement, ce n'est pas l'habit, là. Le vêtement, c'est ton caractère. The garment is not the cloth, but your character. Il y a des choses que tu obtiendras dans ta vie juste par ton beau caractère. There are things you will have in your life through your beautiful character. Ta beauté extérieure attire. Your beauty attracts. Ton caractère maintient. Your character maintains. Par ta beauté, tout le monde peut courir vers toi. Through your beauty, everybody can run to you. Par ton caractère, tu seras soit validé, soit exclu de la gloire. Excluded from glory. Il choisit le caractère magnifique. Put on the character of splendor. Mets ça en avant. Put it at the center. Si tu veux réussir, if you want to succeed, dans ta vie, in your life, quand tu as sorti de la vallée de Chavé, when you were off of the valley of Chavé, focalise-toi, focus yourself, concentre-toi, concentrate yourself, sur ton beau comportement, on your good behavior, parce que ce sont des valeurs que Dieu te donne, because these are values God gives to you, pour impacter le monde. Great impact in the world. Y a quoi dans ta vie? What is in your life? Quand on regarde ça, when we look at on that, dit cette fille-là, we say that girl, elle est posée. Is quiet. Elle est consciente. She's conscious. Il est concentré. She's concentrated. Elle est patiente. She's patient. Toi, you, tu te plais delight, à être la plus sauvage du quartier. To be the most wild of the neighborhood. Elle dit qu'après toi, after you, il n'y a pas plus sauvage que toi dans le quartier. There is no more pervert in the neighborhood. Elle dit que ce n'est qu'à l'église que tu es calme. It's only the church you are quiet. Mais dans ton quartier, in your neighborhood, on te connaît. They know how you are. Quand tu sors de la vallée de Chavé, when you come out of the valley of Chavé, tu dois t'habiller. You must put on par ton plus beau caractère. Your beautiful character. Jusqu'à ce niveau. Until this level, ce n'est pas Dieu qui agit. It's not God who acts. Réveille-toi. Wake up. Ça vient de toi. It comes from yourself. Montre ta puissance. Show your power. Ça vient de toi. It comes from you. Porte ton beau vêtement. Put on ça your vient garment. De toi. It comes from you. Ce n'est pas encore Dieu. It's not yet God. C'est toi-même. Yourself. Il y a beaucoup de choses que tu fais dans ta vie à partir de ce que tu fais de ta vie. There are many things God does in your life as from what you do from your life. Je répète. I repeat. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait dans ta vie à partir de ce que tu fais de ta vie. There are many things God does in your life as from what you do from your Dieu life. Dieu ne va jamais violer ta conscience. God will never violate your conscience. Pour t'imposer la richesse. To impose your riches. Pour t'imposer la gloire. To impose your glory. Pour t'imposer l'élévation. To impose your elevation. Pour t'imposer la promotion. To impose your promotion. Jamais. Never. Que fais-tu de ta vie? How do you use your life? Une vie de pleurs. A life of tears. Tu penses que Dieu you think va attirer un type de personne à côté de toi kind of alors que tu passes ton temps dans les pleurs. You spend your time crying. Une vie de tristesse. A life of sadness. Tu penses que Dieu do you think va amener un type de personne à côté de toi bring a kind of people by alors your side. Que tu vas leur communiquer la tristesse. You communicate them sadness. Une vie de querelle. A life of quarrels. Il y a un type de personnes qui ont besoin de calme quand ils rentrent du travail. The kind of people who need quiet when mais toi tu aimes les querelles. But you lack quarrels. C'est ton caractère it's your character qui te disqualifie. That disqualifies you. Réveille-toi. Awake. Réveille-toi. Awake. Montre ta puissance. Show your power. Porte ton plus beau vêtement. Put on your garment of splendor. C'est Dieu qui te dit de faire ça. God is the one who tells you to do that. Il y a des gens qui attendent un sacerdoce spécial. Some people are waiting for a special service. Qui va changer radicalement leur histoire. That will radically change their story. Sans que eux-mêmes ne fassent un effort. Without making an effort. Mais c'est une erreur, mon ami. It's a mistake, my friend. Ta vie ne changera pas juste parce qu'on a prié pour toi. Your love won't change because you pray for you. Ta vie changera à partir des décisions que tu prends pour toi-même. It will change as from the decision you take for yourself. Je disais à un frère qui me disait voulait une secrétaire. A brother told me that. Je dis moi j'ai un problème pour choisir une secrétaire pour toi à l'église. I have a problem to choose a secretary for you in the church. Toi tu es un bosseur. You're a hard worker. Tu vois, tu veux devenir une sœur parce qu'elle est sœur en Christ. Toi, tu veux travailler jusqu'à 22h. You want to work until 10 p.m. Elle est en train de prier. Elle médite. Le Seigneur, j'ai vu une vision. J'ai vu une vision. She's praying and meditating. Toi, tu dois envoyer rapidement un document aux États-Unis. You want to send a document United elle States. Est en, elle est en pleine méditation. Elle médite. She's just meditating.
C'est pour ça que je vous ai dit ici. That's why I told you here. Il y a un type de personnes que vous devez aider à distance. There's a kind of people you must help at distance. Pas dans vos entreprises. Not in your enterprises. Ne les mettez pas dans vos entreprises. Don't put them in your enterprises. Au nom de Jésus. Because of Jesus. Au nom de c'est la famille. Because of family. Ils vont détruire vos vies. Otherwise, I will destroy your life. Ils vont détruire vos projets. They will destroy your projects. Ils vont détruire vos affaires. They will destroy your business. Tu sais que ta soeur est paresseuse. If you know your sister is ne l'associe lazy, jamais à tes affaires. Never unite her to your businesses. Tu sais que ta soeur ne peut pas garder l'argent. You know she cannot save money. Ne fais pas commerce avec elle. Don't do business with her. Elle vend. She sells. Elle mange. She eats. Elle vend. She sells. Elle mange. She eats. À un niveau vers le milieu du mois. The half of the month. Elle porte les habits qu'elle n'a pas vendus. She wears clothes she has not sold. Et les gens ici, l'habit qu'elle porte, la seule habit qu'elle était censée vendre. The clothes she's wearing is a clothes she was supposed to. Elle est fatiguée d'attendre les clients. She's waiting. She's tired to wait for clients. Elle devient son propre client. She becomes her own client. Elle même fait tomber son business. And she make her business. Mais quand on dit tu seras un milliardaire, lève son petit coup d'oeil là. Tu vas accuser quel sorcier? But reason will you accuse? C'est ton caractère. It's your character. Qui te disqualifie? That disqualifies you. Ce n'est pas faux qu'il y a les sorcières. Yes, they are wizards. Ce n'est pas faux qu'il y a des méchants. Hein. Wicked men exist. Mais avec tout l'onction aussi. With all this anointing. Il y a beaucoup de méchants qui te craignent maintenant. Many wicked men. Il y a des sorciers qui savent ce que tu es. Many wizards know who you are. Il y a un frère tout à l'heure. A brother. Son oncle lui a envoyé un message, il m'a envoyé ça. His uncle sent him a message and he sent it to me. Des menaces de mort. Threatening of death. Tu peux faire quoi dans cet endroit? What do you got to do in that place? Sors de là. Come out of et tu viens dans la lumière. And you come to the light. Les loges. Tu viens dans la lumière. Come to the light. Toi et moi on a le même nom. You now have the same name. Aujourd'hui même. Today. Et je demande comment ton oncle a su que tu vas à l'église. How did he know that you go to church? Mais dit, papa, je ne comprends pas. I don't understand he's saying. Écoute-moi. Listen to me. Il y a des sorciers qui savent. Some wizards know. Dans quoi tu es actuellement. Where you are presently. Mais toi même tu te négliges. But you neglect yourself. Toi même tu négliges. You neglect. L'onction qui que tu dégages you release, quand tu viens ici when you come here, les sorciers savent qu'ils ne peuvent plus te toucher n'importe comment. They can no more touch you anyhow. Ils vont te menacer. They will threaten you. Et quand ils vont voir que tu résistes, when they will see you resist, ils vont te flatter. They will dans le même message, in the same après tu fils, after he says, je veux ton bien. I want your good. Hey. Je galère. Tu ne me donnes rien. J'ai 5 mois d'ailleurs de loyer. Tu ne me donnes rien. Je cherche le travail. Tu ne m'aides pas. Quand j'entre à l'église, tu veux mon bien. Ya. Toutes les personnes qui combattent ton église. Pourquoi ils ne te donnent pas le travail? Pourquoi ils ne t'aident pas à voyager? Pourquoi ils ne t'aident pas à acheter un terrain? Tu ne comprends pas quoi dedans? Quand tu as déjà vendu dans la vallée de Chavez, ta vie n'a pas de sens. Your life makes no et sense, ils ne parlent pas. And they don't talk. Mais dès que tu viens à l'église, when you come to the church, tu peux faire quoi là-bas? What do you go to do tu fais quoi dans les choses là? Il lui a dit, things? Tu fais quoi dans ce genre d'endroit? What are you doing in this kind of place? Tu n'as pas d'argent. You have no money. Le sorcier sait que tu as le feu. The wizard knows you have a fire. Maintenant, comme tu blagues avec le feu, as you joke with the fire, tu demeures pauvre. Well, poor. Et lui prend ton feu and he takes your fire en te vendant while selling you et il prospère. And he prospers. Que Dieu ouvre vos yeux. May God open your eyes. Pour voir qui vous êtes. For you to see who you pour are. Voir qui vous êtes. For you to see who you pour are. Voir ce que vous valez. For you to see your value. Pour voir ce que vous pouvez. For you to see what you are able to do. La Bible dit. The Bible says. Verset 2. Verse 2. Il est écrit. Secoue ta poussière. Quand on t'a vendu. When you are sold, on te jette dans le trou. You're thrown in the pit. Et c'est la poussière. And it's a dust. Tu es poussière. You're dust. Tu retourneras. Poussière. Mais quand tu sors de ça. When you come out of there, tu dois secouer la poussière. You must shake off the dust. J'ai dit numéro 1. I said number 1. Réveille-toi. Awake. Numéro 2. Number 2. Réveille-toi. Awake. Numéro 3. Number 3. Montre ta puissance. Show your power. Numéro 4. Number 4. Prends ton bon caractère. Take your good numéro character. 5. Number 5. Secoue ta poussière. Shake off your dust. La poussière. The dust.
est le symbole des malédictions. It's a symbol of curse. Chaque fois que quelqu'un souhaite ton malheur, every time somebody wishes c'est une poussière qui tombe sur toi. It is a dust that falls chaque fois you. Que quelqu'un souhaite ton échec, every time somebody wishes your failure, parmi les gens qui souhaitent ton échec, among those who wish your failure, il y en a dans ta famille. Some are in your family. Il y a des cousins et des cousines qui font la concurrence avec toi alors que tu n'as même pas le temps. Cousins who are competing with you, meanwhile you don't quand have c'est your plus time. Compliqué, même c'est même ton frère, même père, même mère. At times your own brother. Donc seulement les mauvaises intentions, c'est des malédictions. Even intention are curse. C'est établir la poussière contre ta vie. Les faux amis, fake friends, plusieurs te maudissent. Many curse you. Les faux camarades, fake classmates, les faux collègues, fake colleagues, les faux frères et sœurs en Christ, fake brothers in the Lord, les faux partenaires, fake partners, les ex. Exes. 90% de tes ex souhaitent ton malheur. 90% of your exes wish la preuve, evil. Plusieurs d'entre eux n'ont pas effacé ton numéro pour voir tes statuts, pour voir si tu pleures. Most of them have not deleted your number to see if you are crying. Comme je dis ça, post. Quand même toi tu fais aussi ça. As a way, tu as le numéro, oui. Tu as le numéro de ton ex pour voir si les malédictions que tu as déclarées contre sa vie sont en train de marcher. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Yes. Plus tu vas le maudire, plus tu vas le maudire, plus tu vas le maudire, plus tu vas échouer. Je t'ai dit ici depuis quelques jours. I told you here. Laisse-moi combattre ceux qui te combattent. Let me fight those who fight you. Laisse-moi combattre ceux qui veulent te détruire. Let me fight those who want to destroy ton cœur you. Est trop précieux pour haïr quelqu'un. Your head is so precious to hate someone. Ton cœur est trop précieux pour détester quelqu'un. Your head is so precious to hate someone. Chaque personne que tu détestes devient un prisonnier de ton cœur. Every person you hate becomes a prisoner of your et heart. Chaque gardien de prison est prisonnier du prisonnier. Every guardian of prison is prisoner of the prisoner. Le gardien de prison est prisonnier du prisonnier. He who keeps the prison is a prisoner of the prisoner. Parce que le gardien de prison doit veiller à ce que le prisonnier soit prisonnier. Et pendant que le gardien de prison veille sur le prisonnier, il ne peut pas aller faire l'enfant avec sa femme. He cannot sleep with his wife. Il ne peut pas aller acheter une voiture. He cannot buy a car. Il ne peut pas aller en congé. He cannot go on holidays. Donc le gardien de prisonnier est prisonnier. Donc ton cœur est trop bon. Is so good, est trop pur. So pure, a trop de valeur. Has a lot of pour garder à l'intérieur. To keep ton ex. Your ex. Dis à ton voisin, libère-le. Release him. Oh, dis à notre voisin, libère-le, libère-le. Let him go. Libère-le. Let him go. Libère-la. Laisse partir la personne là. Let her go. Non, non, moi je danse pas ces jours-ci. Je suis un peu sérieux ces jours-ci. Je danse pas. Je danse pas. À un moment, je suis en train de me préparer. I'm preparing myself. Les danses vont rester en gousseau. Amen. Amen. Là-bas on ne danse pas, là-bas on est sérieux. Yes. C'est l'église des riches. Amen. S'il faut danser, on va danser le jazz. Yes. C'est plus. Non, là ça reste en gousse, il y a plus à la... Yes. Là, je suis en train de m'échauffer là. Que le Seigneur me délivre, c'est pas facile, hein. Allez, moi, je suis un gars du quartier. Ouais. C'est quand tu as grandi dans le sous-quartier, c'est dans le sang, hein. Est-ce qu'il y a les temps bafiasson là? Quand donc vous êtes là? On est là. Bogada? On est là. Vombi? Présent. Colmessin? Présent. Et quoi barré? Allez, là, c'est l'église des gens du sous-quartier. Et ils vont comme s'ils veulent, ils se comportent. Tu te comportes avec qui? Ta vie donne. Oh. Alléluia. Amen. Réveille-toi. Awake. Réveille-toi. Awake. Montre ta puissance. Show your power. Porte ton plus beau vêtement. Put on your garment of splendor. Secoue la poussière. Shake off your dust. Ça, c'est ce qu'on doit faire. This is what we must do. Si ta mère, if your mother, dans les blagues, jokes, a lâché une parole méchante, release an evil word, c'est une malédiction. It's a curse. On doit secouer ça. We must Amen. Shake it off. Si toi-même, if you yourself, dans le désespoir, in disrespect, tu as maudit ta vie, curse your life, on doit secouer ça. We must shake it off. Si un ancien ami, if an ex-friend, écoute-moi, listen, une personne qui dit qu'elle t'a aimé, a person who she say she had loved après la you, séparation ne doit pas sauter ton malheur. After separation must not wish your evil. Je dis ça autrement. Une personne que tu dis que tu as aimé, a person you say you love, après la séparation tu ne dois pas sauter son malheur. After separation you must not wish his evil. Il y a beaucoup de poussière dans vos vies. There are a lot of dust parce in que your vous life passez le temps à sauter le malheur de vos anciens amis. Because you wish evil of your ex-friends.
C'est dangereux. It is dangerous. Le souhait négatif que tu émets contre cette personne, the negative wish you make against that person, ne va pas corrompre Dieu. Will not corrupt God. Si Dieu a béni le type là, if God has blessed that si man, Dieu a béni la fille là, if God has blessed that girl, tu vas te fracturer. Destroy yourself. Tu vas te fracturer. Tu vas te faire mal. Destroy yourself. Tu vas te faire mal. You will destroy yourself. À cause de ton mauvais cœur. Because of your evil heart. Laisse la faire là-haut. Forget it. C'est moi qui te parle. I'm talking to you. Laisse la faire là. Forget it. Dieu n'est pas ton marabout. God is not your wish doctor. Qui tue tout ce qui t'énerve. To kill all those who vex you. Dieu n'est pas ton sorcier. God is not your wizard. Qui détruit tout ce qui t'énerve. To destroy all those who vex you. Balak n'aime pas Israël. Balak disliked Israel. Il dit Balaam maudit les Balaam aussi échelle de les maudits. He said Balaam curse, Balaam tried to curse. Balaam, tu n'as pas la tête. Balaam, don't you think? On maudit tout le monde. Can everybody be cursed? Secoue la poussière. Shake off the dust. Lorsque Shimei, when Shimei voulait détruire David, wanted to destroy David, il le maudissait, he cursed him, en jetant la poussière sur lui. By throwing dust upon him. Et cette poussière, and that dust, a freiné David dans son ministère. Break David in his ministry. Et quand David, Salomon arrive, when Solomon came, il dit à Salomon, toi tu dois secouer la poussière. He said, you must shake off the dust. En renvoyant à l'expéditeur, while returning to the sender, tous ceux qui nous ont jeté la poussière. All what is sent on quand earth, tu sors de la vallée de Chavé, when you come out of the valley of Chavé, une vallée de poussière, the valley of death, tu dois secouer la poussière. You must shake off the dirt. Tu dois refuser les malédictions. You must refuse the curses qui émanent de tes parents, that come from your parents, qui émanent de tes mauvaises actions, that come from your bad actions, qui émanent de ton ignorance, that come from your ignorance, qui émanent de tes erreurs, that come from mistakes. Secoue la poussière. Shake off the dirt. Chaque jour qui passe, every day that goes, je refuse la mort précoce. I refuse premature je refuse death. L'échec comme mon père. I refuse to fail je refuse la chute comme mes oncles. I refuse fall like je refuse uncle. L'humiliation comme dans ma famille. I refuse humiliation chaque jour qui passe, secoue. Shake off the dirt. Tu connais de quelle famille tu viens. You know from which family même you s'il n'y a pas from. Culte, secoue. Shake off the dirt. On n'a pas besoin de te dire. You don't need to be tu connais ton histoire. You know your story. Et comme tu as vécu ça, as you live quand that, tu regardes tes enfants, when you look at your children, secoue la poussière sur eux. Shake off dust pour que them. Les problèmes que tu as eus so that the problem you meurent have, à ton niveau, que ça level, ne traverse pas. May not go je prie pour toi ce soir. Ce que le diable a fait contre toi n'atteindra pas tes enfants. Ton amen est bancal. Ce que le diable a fait contre toi n'atteindra pas tes petits-enfants. N'atteindra pas tes petits enfants. Donne-moi un amen de bien. Amen. Ce que 2020 nous a fait. What 2020 did to 2021 us. N'a pas fait ça. Ce que 2021 a fait. What 2021 did 2022 us. N'a pas fait ça. 2022 ce que 2022 nous fait. What 2022 is 2023 ne fera pas ça. 2022 will not do ce that. Que hier m'a fait. What yesterday did to demain me. Ne me fera pas ça. Tomorrow will not do quand je me lève, je up, dois secouer. I must shake off the dust. Quand tu viens d'arriver en France. When you just travel to France, il y a des choses que tu ne comprenais pas. Yeah, things you were not understanding. Quand tu commences à comprendre, when you start understanding, quand tu te lèves, when you stand, tu secoues la poussière. You shake off the dust. Quand tu viens d'arriver au boulot là, when you just enter your office, il y a des choses que tu ne comprenais pas. Yeah, things you were not understanding. Maintenant que tu comprends, now you understand, tu dois secouer. You must shake off the dust. Il y a une sagesse qu'on acquiert par les échecs. Failure. Il y a une sagesse qu'on acquiert par les expériences. Through experiences. Là où tu es placé ici. Where you are. La vie t'enseigne. Life has taught you. La vie t'enseigne. Life has taught you. Mais est-ce que tu utilises les enseignements que la vie t'a donné? But do you use the teaching life has given to you? Ou bien tu restes dans la même poussière là? Or you are still in the same dust. Parce que quand la poussière reste sur toi, because when dust remains on you, la poussière est le repas que Dieu a donné aux serpents. It is the food God gave to snakes. La poussière est le repas que Dieu a donné aux serpents. The dust is the meat God gave to snakes. Donc tant qu'il y a la poussière sur toi, as long as dust is upon n'importe you, quel serpent va s'essayer sur toi. Any type of snake will try to bother you. Même un nouveau sorcier vient arriver si tu te maudis. Even a new wizard curse. Normalement, toi, on doit te respecter. You have to be respected. Tes ennemis doivent être les grands sorciers. Your enemies are the great wizards. Pas les enfants du quartier qui pissent encore lit. Not those who steal urinate on your bed. Tout le monde te combat et ça marche. Everybody fights you and it works.
Tout le monde t'essaye et ça marche. Everybody tries and it works. C'est pas normal. It's abnormal. Il dit secoue la poussière. Shake off the dust. Secoue la poussière. Shake off the dust. Secoue la poussière. Mm-hmm. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant. Lève-toi et reprends ta place. Rise up and sit enthroned. On a 40e position là. Parce que je suis en train de compter. I'm counting. Ce que tu dois faire, et ce n'est pas encore Dieu, c'est toi-même. It's not your God, but yourself. On a dit, réveille-toi. Awake. Un. Number one. Réveille-toi. Awake. Deux. Two. Montre ta puissance. Show your power. Trois. Three. Porte ton beau vêtement. Put on your beautiful garment. Quatre. Four. Secoue la poussière, c'est ça? Shake off the dust. Cinq. Five. Six. Six. Reprends ta place. Reprends ta place. Sit and throne. Mes amis, my friends, je vous ai dit ici, I told you here, il y a une place. There is a place. Qui est votre place. That is yours. Il y a une vie. There is a life. Qui est votre vraie vie. That is your real life. Il y a une gloire. There is a glory. Qui vous ressemble. Amen. That looks like you. Il n'a pas dit Dieu va te redonner ta place. He didn't say God will give you back your place. Tu vas reprendre ta place. But you will take back your place. Dis à ton voisin si tu veux. If you want. Dis à une autre personne si tu veux. If you want. Quand elle dit à quelqu'un, je ne suis pas à l'aise ici, c'est pas parce que je ne crois plus que c'est ma place ici. Because another thing, this is my place. Je ne suis pas hypocrite, je ne suis pas à l'aise ici. I don't feel comfortable here. C'est Père du Roi qui l'a prêché ici. Amen. Quand le ciel ne sera plus à l'aise, il va venir me trouver à Mimouman. Il va dire, le vieux, moi, je ne suis plus à l'aise ici. Toi, toi tu l'as quitté ici, tu pars ailleurs. Yes. Une qualité de matelas, là, je t'ai dit ça plusieurs fois, je te répète encore ça. Si tu es à l'aise là-bas, tu vas rester sur le matelas là. Qui est venu occuper ta moto aujourd'hui? Tu as pris la moto aujourd'hui, aujourd'hui tu as pris la moto aujourd'hui. Puis pendant que tu lèves ta main, je dis l'année si ne finit pas, l'année si ne finit pas, Dieu te donne ta voiture. L'année si ne finit pas, Dieu te donne ta voiture. Si tu es énervé, si tu es fâché, Dieu te donne ta voiture. Tu as au moins 4 conducteurs de moto au quartier. Quand tu arrives au quartier, tu les appelles au téléphone. Je suis là. Est-ce que tu peux venir? Non, si tu as, je dors déjà. Mais viens vite, je vais te donner tes 1500. Tu prends la moto de Mvombi, tu traverses, tu pars à Fougerolles. Il y a deux choses qui te frappent le plus, la poussière et le vent. Soutiens-moi Yahweh. Soutiens-moi Yahweh. Soutiens-moi Yahweh. Septième chose. Seventh thing. Détache les liens de ton cou. Enlève les chaînes de ton cou. Remove the chains on your neck. C'est pas Dieu qui va enlever. It's not God that will remove. Ça là c'est la description des gens qu'on a vendus. Dans la vallée de Chavez. In the valley of Chavez. Dans la vallée de Chavez. In the valley of Chavez. Ça, il y a 7 choses. There were 7 things. Que le diable fait. That the devil does. Contre cette personne. Against his people. Il empêche que la il rend la personne endormie. He makes a person asleep. Il endort à nouveau. He makes a person asleep. Il la rend impuissante dans tous les domaines. He makes a person powerless in all domains. Il lui donne un mauvais caractère. He gives a bad character. Il dépose la poussière sur la personne. He drops dust on the person. Il enlève la personne de sa place. He removes a person from her place. De roi King, he à was. Esclave. Slave. De prince, prince he à was. Domestique. Hey. To maid. Il enchaîne la personne. He chains up the person. Verset 3. Il est écrit. Car. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été c'est vendu. C'est gratuitement que vous avez été vendu. You were sold for nothing. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez racheté. Le roi de Sodome. The king of Sodom. Dit à Abraham. Told Abraham. Vends-moi tes gens. Sell me your people. En d'autres termes. In other words. Si Abraham les vend. If Abraham sells them. Il les endort. He makes them fall asleep. Si Abraham les vend. If Abraham sells them. Il les endort. He makes them fall asleep. Si Abraham les vend. If Abraham sells il les rend impuissants. He makes them powerless. Financièrement. Financially. Physiquement. Physically. Spirituellement. Spiritually powerless. Matériellement. Materially powerless. Dans les relations
impuissant. Si Abraham les vend, Abraham them, il dépose la poussière, le rejet sur eux. He drops this rejection on them. Il dépose les malédictions sur eux. He drops curses on them. Si Abraham les vend, Abraham il les enlève de leur place, he removes them from their place pour les mettre sur des places qu'ils ne méritent pas, so put them on place they don't deserve, qui ne sont pas leur niveau. That are not their level. Si Abraham les vend, Abraham il les enchaîne. He chains them up. Quel est l'homme? Who is a man? L'oncle, uncle, la tante, aunt, l'ami, friends, le collègue, colleague, le patron, boss, qui t'a vendu. What, ce soir, tonight, c'est lui-même qui sera vendu. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. Si quelqu'un t'a vendu dans la vallée de Chavé, hey, il sera vendu ce soir. Amen. Et toi, tu seras libéré. Amen. Si quelqu'un t'a rendu impuissant financièrement, hey, impuissant spirituellement, hey, ce soir, yes, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus. Quel est cet homme? Who is that man? Quelle est cette femme? Who is that woman? Comme ce frère. As his brother. Son oncle. His uncle. Il dit, je t'ai montré le chemin de la lumière. Said, I'll show you the way of the light. Et le frère a fait des cauchemars cette nuit. And he had nightmare this night. Oppression terrible. Night operations. Il m'écrit vers 5h, 6h. He wrote me at 6 a.m. Et le matin, and the morning, l'oncle qui veut le vendre, the uncle wants to sell lui l'appelle au téléphone. Called him on the phone. Et lui écrit directement. And he directly wrote donc la vente n'est pas passée. So the sale was et ça l'a rendu nerveux, farouche. And it made him nervous. Celui qui veut te vendre, he wants to sell you. Je dis cette nuit même, yes, c'est lui qui sera vendu. Oh! Celui qui veut vendre ton enfant sera vendu. Amen. Je dis, celui qui veut vendre ton utérus sera vendu. Amen. Celui qui veut vendre ton foie sera vendu. Amen. Celui qui veut vendre tes intestins sera vendu. Amen. Celui qui veut vendre ton cerveau sera vendu. Amen. Celui qui veut vendre ton étoile sera vendu. Amen. Ils sont méchants. People are wicked. Les gens sont méchants. People are wicked. Il est riche. He's rich. Il n'aide pas son neveu. He doesn't have his nephew. Mais il ne veut pas que son neveu cherche sa vie en Jésus. He doesn't want his nephew to find his life in Jesus. Il dit à son neveu, je t'ai montré, je t'ai mis le chemin de la lumière. I put you on the way of the light. Son neveu lui répond. His nephew replied. J'ai retrouvé ma lumière en Jésus. I found my light in Jesus. Et il y a l'ampoule dans ma chambre. And there is a lamp in my room. Même, il n'est pas facile. Hein? Et j'ai senti que ma bouche, là, il a ça, c'est le même sang. Et son oncle lui répond. And his uncle replied. Ok. Ok. On verra. We will see. Le même qui a dit je veux ton bien plus haut. The same who said I want your good. Lui répond en bas on verra. We will see. Écoutez-moi. Listen. Vous qui commencez à prier, vous arrêtez là. You start praying and you stop. La prière que vous commencez est une déclaration de guerre face à ceux qui vous ont vendu. The prayer you are starting is a declaration. Est-ce que tu sais que les sorciers de you? Ta famille trouvent que tu veux les défier quand tu commences à prier? You know, which of your family think you want to challenge them when you start praying? Les sorciers de ta famille trouvent que c'est un défi que tu leur lances. They think it is a challenge you are making. Quand tu dis que tu veux sortir de la vallée de Chavé, when you say want to come out of the valley of Chavé, la guerre commence. War starts. Et comme tu es inconscient, as you're unconscious, tu pries 2 semaines, you pray for 2 weeks, tu quittes l'église, you leave the church. Mes amis, my friends, un conseil, an advice, ne commencez pas la prière si vous allez arrêter. Don't start prayer if you will stop. Vous êtes mort. You are dead. Il y a des combats spirituels qu'on ne mène pas si on va s'arrêter en chemin. There are spiritual battles we don't have to make if we must stop on the way. Il lui a dit, ok. He said, okay. On verra. We will see. Quand ton père, when your father, quand ta mère, when your mother, te dit, on va voir jusqu'où tu vas aller avec tes églises là. Says you are going to see until where you go with your churches. Tu ne connais pas le nombre de démons qui se mettent en place pour t'anéantir. You don't know the number of demons that stand to annihilate you. Vous priez. You pray. Vous dormez. And you sleep. Vous priez. You pray. Vous abandonnez. You give up. Vous priez. You pray. Vous laissez. You give up. Vous êtes sérieux? Are you serious? Vous connaissez le nombre d'ennemis? Do you know the number of enemies? Qui se sont associés en famille? That gathered in family. Juste parce que tu veux apporter affaire de Jésus dans leur famille. Just because you want to bring Jesus in your family. Le grand-père nous a laissé catholique. The grandfather left us Catholic. Le grand-père nous a laissé évangélique. He left us evangelic. Le grand-père nous a laissé protestant. He left us protestant. Elle sort d'où avec ces choses-là? Where is she coming celui with those qui things? Dit ça, he will see c'est that. Un grand sorcier. He's a great wizard. Toi, la petite fille là, le petit garçon là, on t'a lancé un défi terrible. You were made a terrible challenge. Et tu trouves encore l'occasion. I still found occasion pour arrêter de servir Dieu. To stop serving God. Il dit à Abraham, livre-moi tes gens. Deliver me your people. Et je te donne les richesses. And I give you riches. Qui t'a livré?
Who has delivered you? Qui veut te livrer? Who wants to deliver you? On est venu dire à Abraham. Abraham was told que ton neveu, that your nephew, a été fait prisonnier. Was made prisoner. Après, on lui a encore dit, after he was ton frère, your brother, a été fait prisonnier. Was made prisoner. Et pendant que je méditais hier, well, I meditated yesterday, dans la nuit, at night, Dieu me dit, God told me, il n'a pas fait de l'autre son frère. He did not make Lot his brother. Mais quand il dit ton frère, but when it is said your brother, a été fait prisonnier, was made prisoner, Lot était le représentant, was a representative, de toute la famille de son père, of the whole family of his father. Donc en emprisonnant le pasteur Dubois, why capturing Pastor Dubois, on emprisonne toute la famille dont il est le représentant. The prison, the family is a representative. Ce que les sorciers font contre toi, what wizards do against parce que you, tu es la tête, because you are the head, ça va impliquer will imply tous tes frères, all your brothers. Mais c'est l'autre qu'on a emprisonné. Lot is the one that was prisoned. Mais pourquoi il dit on a emprisonné ton frère? What does he say? Your brother son frère was est déjà mort. His brother is already le père dead. De l'autre est mort depuis. Lot's father is already dead. Mais celui qui vient lui dire, et him, ça a été répété deux fois. It was said twice. Donc ce n'était pas une erreur. It was not a mistake. L'autre n'était pas l'autre lui-même. Lot was not himself. Mais c'est tout le symbole. But the whole symbol, c'est toute la famille, the whole family, qui venait d'être enchaînée. I was just chained up. Je suis venu te dire, come to ta tell délivrance you va libérer tes frères. Your je dis ta délivrance va libérer tes soeurs. Ta délivrance va libérer tes neveux. Amen. Ta délivrance va libérer ta famille. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Abraham savait, Abraham knew, que Lot était un symbole. That Lot is a symbol. Ce n'était pas Lot dont il s'agissait. They were not talking en about délivrant Lot, Lot de la vallée de Chavé, the valley of Chavé, il délivrait toute leur famille. He delivered their whole family. Tu as une lourde responsabilité. You have a heavy responsibility. Nous avons ce soir, yes, une lourde responsabilité. Heavy responsibility. Ta délivrance, your deliverance, va provoquer vos mariages. Oh. Je dis ta délivrance, your deliverance, va provoquer le travail dans ta famille. Oh. Je dis ta délivrance va provoquer la gloire dans ta famille. Amen. Toute personne qui t'a vendu, amen, je le frappe ce soir. Amen. Je lève ma main vers le ciel, yes, et je déclare, yes, je prophétise, yes, celui qui a cité ton nom, hey, comme son sacrifice. Écoute. Je le frappe ce soir. Amen. Je te sors de la vallée de Chavé. Amen. Je m'attaque et je prophétise. Yes. Ils ont frappé. 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 Je lève ma main droite. Yes. Et je déclare. Yes. Tous les sorciers, hey, de la famille paternelle. Hey. Tous les vendeurs, hey, de la famille paternelle. Hey. Tous les vendeuses, hey, de la famille maternelle. Hey. Sont frappés. Frappé. 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 Tous ceux qui se sont blessés. Hey. Contre vos étoiles, sont frappés. Frappé. Ceux qui se sont blessés contre vos mariages, contre vos destinées, contre vos élévations, contre votre gloire. Je vois ta délivrance. Amen. Je te fais sortir de la vallée, amen, de la vallée de Chavé. Tes mariages, les 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 mariages. Fire! 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 Je prophétise. Je parle à quatre personnes. Protocole, soyez prêts. Je te libère. Et le mariage vient dans ta famille. C'est à partir de toi. Yes. C'est à partir de toi. Yes. C'est à partir de toi. Yes. Power. Power. Amenez-moi la fille là. Yes. Power. Puissance. On l'a vendu. Yes. On l'a vendu. Yes. Je te libère. Libéré. 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 Je te libère. Je libère vos finances. Je libère vos affaires. Je libère vos affaires. Je te sors de la fosse. Je te sors de la fosse. Amen. 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 Libère sa vie. Amen. Libère son mariage. Yes. Libère son mariage. Amen. Power. Yes. Libère. Yes. Lève tes mains. Je parle à quelqu'un ce soir. Yes. On a mis votre famille, hey, dans la vallée de Chavé. Les étoiles sont recouvertes. Hey. Les étoiles sont cachées. Hey. Les étoiles sont cachées. Hey. Je viens parler aux étoiles. Yes. Tu es la première étoile de ta famille. Yes.
Libère. 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 Amenez-moi cette fille. Je prophétise. By fire. Sors de la tombe là. 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 Sors. 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 Vos mariages, vos projets, vos finances, vos étoiles, vos destinées, vos vies. Vos vies, vos vies, vos vies, vos vies, vos vies, sors. On t'avait demandé un mariage et ton oncle a dit on va voir. Je le maudis ce soir. Je le paralyse ce soir. Je le frappe ce soir. Celui qui a dit tu ne seras pas, je prophétise. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Celui qui a dit que vous ne serez rien. Je lève mon doigt vers le ciel et je déclare, by fire, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour. Ce qui arrive à ta main, c'est ça qui est en train de vous arriver. Pendant que je parle, l'onction de Dieu descend sur toi. Il y a 12 personnes ici. Il y a 12 personnes ici. Pendant que je parle, je commande la libération de toute la famille. Amen. C'est toi qui as les clés. Yes. Reçois l'onction là maintenant. Reçois l'onction là maintenant. Reçois l'onction là maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois. Toute vallée de Chavé dans laquelle on vous a vendu. Hey. On a vendu vos destinées. Hey. On a vendu vos affaires. Hey. Je vous sors de là. Amen. Je prophétise, yes. Je déclare, yes. À l'onction de Dieu, yes. Je prophétise, yes. Je décrète, yes. J'ordonne la libération de toute votre famille. Amen. C'est ce que Dieu a dit qui va arriver. Amen. C'est ce que le Seigneur a dit qui va se passer. Amen. Je parle sur ta vie, yes. Je parle sur tes enfants, yes. Je parle sur tes projets, yes. Sors de la vallée. Je sors. Avant le dernier jour de ce mois, yes. Je commande, yes. À ta lumière de briller. Amen. Le feu maintenant, yes. C'est sur les mains. Sur les mains. Avant le dernier jour de ce mois, hey. Je restaure tes finances. Amen. Je mets ça sur tes mains. 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 Oh my God, oh my God. Amenez-moi cette fille. Je vois qu'elle a perdu les deux mains. Hey. Amenez-moi cette fille. Elle n'a plus les mains. Elle n'a plus les mains. Hey. Elle n'a plus les... Amenez-moi cette fille. Je prie pour quelqu'un ce soir. Yes. Je remets tes mains. Je remets tes finances. Amen. Je remets tes finances. Joshua. 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 Je remets tes finances. Reçois. 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 Qu'on t'a déjà vendu. J'ai dit celle-ci. On t'a déjà vendu. Je ramène ton âme. Amen. Je ramène ton âme. Amen. Je ramène ton âme. Je ramène ton âme. Je ramène. Amen. Je remets tes mains. Amen. Et je parle à 8 personnes dans la salle. 8 personnes. Vous avez les mains coupées. Hey. Rien n'entre. Rien ne procède. Rien n'est possédé. Hey. Tu ne touches pas. Parce que tu n'as plus de mains. Oh. Pendant que je parle. Yes. Fire. Amen. Fire. Amen. Fire. Amen. Fire. Amen. Fire. Amen. Fire. Amen. Fire. Reviens les mains, yes. Tes finances, Joshua. Tes affaires, Joshua. Tes projets. Joshua. Je remets tes mains. Joshua. Je remets ton argent. Joshua. Je remets ton argent. Joshua. Je remets ton argent. Reçois. Lève tes mains. Est-ce qu'on peut lever les mains? Alléluia. 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 Oh,
Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut chanter Alléluia? Alléluia. Élève ta voix et chante Alléluia. Oh Alléluia. 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 Gloire à Jésus. 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 Nous t'adorons. 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 Je prie pour toi. Pendant que tes mains sont levées. Le Dieu qui délivre des vallées. Te sort de la vallée de la mort. Amen. Te sort de la vallée de Jisréel. Te sort de la vallée de Sorek. Amen. Il te sort de la vallée de Sidim. Amen. Il te sort de la vallée de Chavé. Amen. Tous ceux qui ont décidé d'hypothéquer vos vies tombent dans la fosse qu'ils ont creusée. Amen. J'arrive dans ta famille maternelle. J'arrive dans ta famille maternelle. Yes. J'arrive dans ta famille maternelle. Tous ceux qui ont troqué vos vies, hey. Tous ceux qui utilisent vos vies, hey. Je les jette dans la fosse au nom de Jésus. Amen. Je vous sors de la fosse au nom de Jésus. Tous les sorciers spécialisés de la famille maternelle, tous ceux qui fréquentent les marabouts pour troquer les étoiles, pour exploiter les étoiles à partir de vos photos, je les fais tomber dans leur fosse au nom de Jésus. Tes frères et toi vous sortez, les enfants sortent, les petits enfants sortent, la famille sort. Vos mariages sortent de la fosse. Amen. Je dis vos mariages sortent de la fosse. Amen. Je dis vos mariages sortent de la fosse. Amen. Vos finances sortent de la fosse. Amen. Vos maisons sortent de la fosse. Amen. Vos étoiles sortent. Amen. Je pars dans votre famille paternelle. Yes. J'arrive dans ta famille paternelle. Yes. J'arrive dans la famille de ton tuteur. Yes. Tous
tous ceux qui ont creusé les fosses tombent au nom de Jésus. Amen. Toute la famille sort de la fosse. Amen. Tu es resté longtemps sur place. Thank God. Tu es resté longtemps sur place. Jesus. Parce qu'on t'a enfermé dans une vallée de mort. Hey. Je te sors de là. Amen. 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 Quelqu'un a dit, hey, tu vas finir comme ton père. Je renvoie ça sur lui. Tu vas finir comme ton père. Je renvoie ça sur lui. Tu vas finir comme ta mère. Je renvoie ça sur lui. Je renvoie ça sur lui. Je renvoie. Tu n'es pas ta mère. Tu n'es pas ton père. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Tu sors de la vallée. Dieu te met sur la montagne. Tu commences à briller. Ton étoile brille. 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 Tous ceux qui ont été appelés à servir le Seigneur, à prêcher l'évangile, à prophétiser, à guérir les malades, je vous enlève de la vallée. Je vous mets sur la montagne. Je vous mets sur la montagne. Les prophètes, les évangélistes, les apôtres, les pasteurs, les docteurs, les hommes et les femmes de feu, les hommes et les femmes de feu, les hommes et les femmes de feu, sors de la fosse, sors de la fosse, c'est le Seigneur, prêche l'évangile. Yes. Lève tes mains. Tout ce que le Seigneur a appelé à faire les affaires, à faire le commerce, à gérer l'argent, à manipuler l'argent, à s'occuper de la famille. Je vous sors de la fosse. Je vous sors de la fosse. Les Esther, les Daniel, les Joseph, les étoiles. Je vous sors de la fosse. Ta famille a besoin de toi. Tes frères ont besoin de toi. Et on sort de la fosse. Sors de la fosse. Sors de la fosse. Ancienne église. Sors de la fosse. Pasteur, sors de la fosse. Évangéliste, 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 sors. Que l'onction de Dieu se manifeste dans ta vie. Personne ne va t'arrêter. Celui qui s'est placé sur ton chemin pour te bloquer tombe dans la fosse. Il tombe. Celui qui te maudit continuellement, hey, tombe dans la fosse. Il tombe. Chaque jour, il te maudit. Chaque nuit, il te maudit. Il tombe dans la fosse. Il tombe, il tombe dans la fosse. Il tombe. Et toi, tu te lèves. Yes. Tu te lèves. Amen. La Bible déclare qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée. Yes. Ceux qui ont souhaité ton malheur, hey, ça retourne sur eux. Amen. Ceux qui ont souhaité ton échec, ça retourne contre eux. Tous les projets de mort en cette année contre votre famille, j'annule ça, j'annule ça, j'annule ça, j'annule ça, j'annule la mort. Amen. Amenez-la. Je dis que tu meurs, tu pars seulement. Tous ceux qui ont scellé ta vie, tous ceux qui ont condamné ta vie, je dis ils partent à ta place. Amen. Je dis ils partent à ta place. Amen. Je dis part à ta place. Amen. Je dis part à ta place. Amen. Je dis part à ta place. Amen. Il part à ta place. Amen. Lève tes mains. Yes. Celui qui t'a livré, je le livre. Amen. Celui qui t'a livré, je le livre. Amen. Celui qui t'a livré, je le livre. Amen. Je le livre. Amen. On a mis la bouteille dans ton ventre. Hey. Je fais sortir la bouteille là. Sors. Je fais sortir la bouteille là. Sors. Je fais sortir la bouteille là. Sors. Je parle à cet homme. Yes. Monsieur, libère sa vie. Libère sa vie, 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 libère sa vie. Je suis son père spirituel. Je prophétise. Tout homme dans ta vie qui dit qu'il est ton papa, moi aussi je suis ton papa. Il t'a maudit, je te bénis. Il t'a bloqué, je te libère. Lève ta main. Je parle à toutes les personnes dont les hommes réclament la paternité et ils veulent vous détruire. Je lève mon doigt vers le ciel. En tant que ton père spirituel, yes, j'annule la malédiction. Amen. J'annule la malédiction. Amen. J'annule la malédiction. Amen. J'annule la malédiction. Amen. Là où ton oncle, hey, qui dit qu'il est ton père, écoute, t'a bloqué, hey, je te débloque. Amen. Lève tes mains.
Il y a des gens ici qui sont bloqués parce que leur géniteur les a maudits. Avant de mourir, ton géniteur t'a maudit. Avant de mourir, ton géniteur t'a maudit. Je parle à quelqu'un ce soir. Je viens libérer ton mariage. 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 Libère! Assieds-toi.